Hello tout le monde, donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur un produit que j'ai testé, donc ce sont en fait les cristaux de CBD. Et avant de démarrer cette vidéo et de vous donner en fait mon appréciation sur les cristaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour justement recevoir mes dernières actualités, mes dernières news sur les produits que j'ai testés sur le CBD. Donc juste en dessous de la vidéo, vous avez le bouton pour vous abonner et activer la cloche de notification. Donc, on revient sur ce qui est prévu, donc c'est-à-dire la vidéo sur les cristaux de CBD. Donc, les cristaux de CBD, c'est ça en fait. Vous voyez, c'est dans une petite fiole comme ça. Donc, c'est comme des bonbons. C'est comme des bonbons. C'est pas d'ecstasy, hein. C'est vraiment du CBD, d'accord? Donc, c'est des cristaux en fait que vous mettez sous la langue. Ça fond au fur et à mesure avec avec le temps. Par contre, ce qui est fou, c'est que c'est du 80. Alors, il n'y a pas de taux de THC dans cela. Comme j'ai dit, c'est des produits que moi j'ai achetés sur le site, donc 321 CBD. Vous retrouverez le lien juste en dessous de la vidéo. Si vous passez par le lien que je vous ai mis en dessous de la vidéo, c'est un lien de parrainage, hein, donc j'ai rien à vous cacher, c'est un lien de parrainage. Et vous aurez droit en fait à 10 euros de réduction sur votre première commande avec les frais de port gratuits. Donc autant en profiter. Le lien il est juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus et ça vous permet d'avoir 10 euros de réduction sur votre première commande et les frais de port gratuits sur les produits CBD. Donc tous les produits CBD que je vous ai dit, je les commande souvent sur ce site-là. Donc 321 CBD, c'est une entreprise qui est au Luxembourg. Tous les produits sont en dessous de 0,2% de THC. Donc il n'y a aucun souci au niveau législation. Ça passe très bien. Et ils ont vraiment plein de produits différents, même pour les animaux, du CBD pour les animaux. J'ai pas testé encore CBD pour, par exemple, mon chat. Mais je pense que je vais pas tarder à le tester et voir un peu ce que ça peut donner pour lui. Mais en tout cas, moi, les produits que j'ai commandés chez 321 CBD sont vraiment très bien. Et je ferai plein de vidéos justement sur les produits que j'ai commandés chez eux, tout ce que j'ai testé, aimé, pas aimé. De toute façon, j'aurais pas. Comme je dis, c'est pas le but de vous mentir. Le but, c'est vraiment de vous donner mes appréciations. Et aussi ma propre expérience par rapport à ces produits. Donc on revient sur les cristaux CBD. Donc c'est des petits, comme j'ai dit, c'est des petits. Voilà, c'est livré dans des petites fioles comme ça. C'est 30 cristaux dans un petit bocal comme ça. Donc ils ont différents goûts sur le site. Ils ont strawberry, donc c'est tout ce qui est fraise. Ils ont pomme, ils ont myrtille, ils ont crumble. Ils ont du crumble aussi en cristaux. Donc ça c'est fou. Moi personnellement, j'ai testé pour l'instant donc fraise et myrtille. J'ai écouté les deux. Alors, 99% de CBD, donc c'est vrai que c'est quand même pas mal, d'accord. Bon, il n'y a pas de THC du tout dedans, donc on est en dessous des, on n'a même pas de 0,2, hein, on est carrément en dessous. Donc chaque pastille contient vraiment 10 mg de CBD, d'accord? Donc c'est compressé, c'est pour ça que ça a 99% de CBD dedans. Les effets, bah après, ça dépend, comme je l'ai dit, ça dépend des gens. Moi personnellement, ça me pose en fait. Ça me fatigue même pas par rapport à la tisane, où la tisane, en fait, ça va me faire une sorte de fatigue, une bonne fatigue en fait, comme si j'avais fait beaucoup de sport. Mais les cristaux, c'est plutôt, en fait, ça me pose, ça, c'est-à-dire que ça me calme, en fait. Moi, c'est l'effet que j'ai, d'accord? Un effet relaxant sur ce produit. Pardon, ils recommandent d'utiliser 3 pastilles bio par jour, donc c'est des pastilles bio. Moi, personnellement, je n'utilise qu'une par jour, généralement entre midi, donc démarrage de l'après-midi, donc entre midi, après avoir mangé tranquillement, bah, je me prends une petite pastille. Donc, vous la mettez sur la langue, en fait. Ça va commencer Avant, au bout d'un moment, vous allez sentir que vous allez pouvoir croquer le bonbon, et c'est là où vous allez croquer. Et c'est là, par contre, où moi, personnellement, j'ai du mal. C'est-à-dire que le goût, c'est un peu pâteux comme ça. C'est pas fou le goût. En fait, moi, personnellement, j'aime pas le goût quand je le croque. Déjà, quand je l'ai sous la langue, je sens pas trop la fraise ou la myrtille quand j'ai pris le blueberry. Mais par contre, quand je le croque, c'est vrai que je sens la fraise. Maintenant, je trouve que c'est hyper pâteux. Moi, j'aime pas trop en fait quand je le croque. Maintenant, c'est pas la fin du monde, hein. Je le croque, je bois un petit coup d'eau et puis hop, ça passe, nickel. Mais c'est vrai que par contre, les effets sont vraiment intéressants par rapport à tout ce qui est l'huile ou les tisanes et tout ça. C'est vrai que l'effet est quand même beaucoup plus rapide. Donc, moi, généralement, au bout de 30, 40, voire maximum 1 heure, je commence à sentir vraiment les effets. Par contre, moi, les effets ne tiennent pas très longtemps, ils tiennent entre 2 heures et 3 heures max. Au bout de 2-3 heures, bah, je sens qu'il y a moins d'effet. Mais je suis quand même tranquille, je suis quand même apaisé et je suis beaucoup moins stressé avec les cristaux. Donc voilà, donc après ils disent 3 dans la journée maximum.
De toute façon, dedans, c'est tout simple. Il n'y a que du CBD isolé et compressé, et un petit colorant alimentaire, donc comme tous les bonbons, hein, de toute façon. Vous avez 99% de... Enfin, 99,6% de CBD dedans. C'est une boîte de culture, donc indoor, donc c'est-à-dire en extérieur. Ça a été... Enfin, c'est fait directement en Suisse. C'est alors eux ils disent que c'est surtout vraiment fait pour tout ce qui est effet relaxant, anxiété, un petit peu pour la récupération musculaire. Mais de toute façon, comme je l'ai dit en dessous de la vidéo, vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur le site donc de 321 CBD. Vous allez dans la partie Christo CBD, vous trouvez les produits, vous cliquez dessus et tout est plus ou moins expliqué. Les détails, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poster en commentaire, je vous répondrai avec le plus grand plaisir. Voilà, c'est. C'est un autre moyen de consommer du CBD, c'est simple, hein. Vous prenez la petite fiole, vous la mettez dans votre poche, vous la mettez dans votre sac, ça se transporte partout, ça se prend partout. Moi, comme je l'ai dit, par expérience, j'en consomme que un par jour, généralement, c'est très rare que j'en ai pris deux. Donc souvent après le premier repas donc de midi. Mais par contre, les effets sont vraiment très intéressants par rapport à tout ce qui est huile et tout ce qui est vape ou les fleurs, par exemple. Donc voilà, donc je voulais faire une petite vidéo par rapport à ça, les cristaux. Donc comme j'ai dit, n'oubliez pas, en dessous de la vidéo, vous avez un lien, vous passez par mon lien, vous avez droit à 10 euros de réduction sur votre première commande, plus les frais de port gratuits. Et si vous voulez donc voir un peu les cristaux que je vous ai parlé dans cette vidéo et tester par vous-même, vous avez donc le lien en dessous et vous allez sur le menu, vous avez un menu qui s'appelle Cristaux CBD, vous allez dessus, vous trouverez vraiment tous les cristaux intéressants. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. À très vite, ciao ciao!